Bonjour tout le monde, ici Michel Lacasse. Bienvenue à Vie de chien. Cette semaine, on vous fait découvrir une entreprise bien de chez nous, Wilder & Harrier, et ses récompenses qui sont à base de grillons. Il y a 3 ou 4 ans, vous avez décidé de vous lancer comme ça dans les gâteries pour chiens. Il y a 3 ans, on est tombé sur un rapport de l'ONU où un des cofondateurs, Philippe Poiré, a lu un rapport qui parlait des insectes comestibles comme étant l'avenir de l'alimentation. Mm-hmm. Une protéine qui a une possibilité de fournir à plusieurs personnes dans le monde à un faible impact environnemental. Donc, il a lu ce rapport-là, ils m'en ont parlé à moi puis Mathieu Poiré, qui est l'autre fondateur. Et puis, on a vu une opportunité immense. Et puis, c'est là qu'on s'est décidé d'aller vers la nutrition animale parce qu'on savait qu'il y avait un biais psychologique qui est peut-être plus faible. Alors, une adoption plus rapide des gens, donc ils n'ont pas besoin de le manger eux-mêmes. Mais en même temps, on a un impact global sur le système alimentaire. La farine de grillon, ouais, qui possède quand même de très grandes propriétés, mm-hmm, pour l'alimentation des humains. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ouais, pour l'alimentation aussi de nos animaux. Exactement. Donc, la poudre de grillon, c'est vraiment un super aliment, un superfood, disons. Ouais. Donc, super haut en protéines, donc plus de protéines que le bœuf, plus de fer que l'épinard. Il y a du oméga-3, oméga-6 en plus grande quantité que ce qu'on trouve dans le saumon. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui regroupe plusieurs nutriments qui sont rares à trouver dans un seul nutriment. Puis, c'est faible en calories, faible en gras. Sinon, c'est une protéine qui est facilement digérable. Vous dites que c'est difficile à trouver. Par contre, vous avez trouvé le moyen justement, ouais, de vous approvisionner. Est-ce qu'il y a des gens au Québec qui se spécialisent maintenant dans, entre parenthèses, la fabrication de farine de grillon? Notre fournisseur se trouve en Ontario. Okay. Il s'appelle Entomo Farms. Ouais. Donc eux, ce qu'ils font, c'est vraiment juste l'élevage de grillons à grande échelle. Mm-hmm. Et puis, ils prennent ce grillon-là, ils le mettent en poudre. Et c'est cette poudre-là qu'on utilise, cette farine-là, disons, qu'on utilise pour confectionner nos gâteries. Dans vos gâteries, il n'y a que des ingrédients qui sont naturels, exact, farine de grillon. Il y a quoi d'autre? Vous avez des gâteries à quoi, vous? Exactement. Donc, on a 2 saveurs, disons 2 recettes. Ouais. Donc, banane arachide et pomme canneberge. Okay. Et puis, les ingrédients sont simples. Donc, par exemple, des pommes complètes, donc la purée de pommes, mm-hmm, des canneberges, des pois chiches, des patates douces, sinon d'autres ingrédients naturels que les chiens adorent, et des ingrédients qu'on peut manger nous-mêmes et qu'on n'a pas difficulté à comprendre. Donc, c'est à consommation humaine. Ça veut dire qu'on pourrait en prendre une bouchée. J'en ai mangé plein pour faire les tests, donc il n'y a aucune hésitation à en manger. C'est sûr que c'est optimisé pour les chiens. C'est, ouais, délicieux pour eux parce, mm-hmm, que c'est plutôt sec, ouais, c'est plutôt goûteux pour leur palette, mais on peut en manger sans crainte. Au niveau des projets futurs, qu'est-ce, ouais, qui s'en vient du côté de Wilder et Harrier? Il n'y a pas juste les gâteries. Là. Définitivement. Donc, il n'y a pas juste les gâteries, mais il n'y a pas juste les grillons. Mm-hmm. La vision est très, très grande. Donc, comme je l'avais dit, plusieurs protéines innovantes comme les algues, la levure, d'autres protéines assez remarquables, mais, ouais, aussi la bouffe complète, définitivement. D'autres types de produits pour animaux, pour chiens et pour chats, éventuellement. Ouais. Donc, très, très vaste. On a plusieurs projets en cours présentement. Ça a été super intéressant, Paul, de Merci vous parler. Michel. On va vous souhaiter évidemment la meilleure des chances. À vous et à vos collègues également. Merci. Merci. Et bien voilà, c'est tout pour cette autre édition de Vie de chien. Mon nom est Michel Lacasse. On va se retrouver la semaine prochaine.